Bonjour à tous, c'est The Man Big. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. On est sur le serveur Nawark. Aujourd'hui, je serai avec Mutsu. Et on a réuni les petits artefacts des grottes. Hors cam, évidemment, parce que bon, vous proposez ça en caméra. Déjà, en vidéo, c'est déjà assez long. Et en plus, bon, la plupart, vous connaissez comment ça se passe. Et puis, de toute façon, cela est le début du commencement du farming des boss. Afin de pouvoir commencer à faire la base sous-marine. Oui, depuis la dernière mise à jour, il y a la possibilité de faire des bases sous-marines. Du coup, on va aller tester ça dès qu'on pourra. Et là, on va se préparer avec Mutsu. On va prendre un rhino chacun. D'ailleurs, je vais prendre Sifreda qui est juste ici. Et on va se rendre, je pense, à l'obélisque qui est... D'ailleurs, on va aller auquel? Je pense qu'on va aller à celui qui est au-dessus. Mais bon, ça va être chiant pour le chemin. On va se dire à tout de suite pour un boss. On va le faire sûrement en difficile. Parce que nos primes, ils envoient du lourd. On se dit à tout de suite. Petite ellipse, début de la vidéo. Là, de suite. Mon cher Ben. Oui, ça y est. Est-ce que tu es prêt? Oui, tout est dedans. Parfait. On a dit la broude Mother. La broude rouge. C'est parti, patron. Il est où, Sifreda? Il est... Là. Ok. Je sais pas si... Ouais, on peut se mettre dessus, mais ça va nous dismount, je crois, quand on va arriver, de toute façon. Tu penses? Ouais, de mémoire. J'ai très peur. J'ai peur. Voilà, voilà. Non. Cours. Non. Si, ah, ok. Sors du dame. Sans doute là, putain. Ok, c'est parti. Ça va après, il y a un genre de bug à la fin. On peut mourir aussi quand il faudra qu'on pose notre stuff dans nos dinos. Oula. Ok. Oh putain, avant on a été dismount. Ouais. Par un gîte. Il est où le main? Il est dans le sol. Par un gîte, ok. Allez, en face. Ouais. Go. Allô, mec. Oh putain, on lui fait rien. Défonce tout. Allez, on a les popos. On claque des très gros dégâts. On lui fait mal. Ok, gros. Elle a énormément de PV. Je suis okay, mal placé. Tu vas tanker, je vais prendre de l'élan. Voilà. Yeah. Vas-y, lance-toi, gros. Oh, tu l'as raté. J'ai raté. Ok, je vais te la placer. Attends. Bouge pas. On dégrossit un peu. Il y a les ads. J'essaie de faire. Oh putain, ouais. Oh, aïe. Elle me pousse. Aïe. Lâchez-moi. Je peux pas tourner. Tiens, mourez. Ouais, je peux pas bouger en fait. C'est bon. Je me débarrasse de ces merdes. Et vous êtes... Ouais, oh mais y'en bon, a partout. Je l'attends. Mec, elle les pompe par milliers. Oui. Elle les pompe par milliers. Elle en fait des dizaines de milliers. Mon dieu. Putain, vraiment, elle est stylée en rouge. Hein. Pousse du pont, ouais. La reine est belle aussi, je trouve. Et mais ça, comment tu fais ça en legit, gros? Je ne sais pas, mec. Comment tu fais ça en legit? Je ne sais pas, mec. Allez, par contre, j'aimerais bien pouvoir bouger, genre vraiment. Si vous pouviez, genre, dégager. Allez, tourne-toi. J'en ai masse en dessous de moi, j'arrive pas à les buter. Moi non plus. Parce que le rhino ne veut pas me bouger. Bloque. Oh, j'ai pris un mauvais coup là. C'est bon. Dégagez. Il me fait pousser, c'est relou. Ah, mais il y en a deux qui sont bloqués. Putain, il y en a deux qui me bloquent. Ouais, pareil. Ah, c'est bon. Ah, ça y est, bon. J'ai plus rien autour de moi. Ça okay, part nice, sur un mec. Tour de map. J'arrive. Lance-toi! Oh, je te vois. Ok. Vas-y. Je prends l'élan. Prends de l'élan. Ok, j'ai pris un bloc, mais c'est pas grave. Je t'ai vu. Oh, 123 000! Mec, on fait une quantité de shit-in monstrueuse. Ah, ça. Dégagez! Putain, elles sont horribles ces araignées de merde. Ah, mais le ralentissement, il dure 10 secondes. Ok, je vais être mid-life. Y'a un clic droit avec le rhino, non? Hein. Ah, t'es mid-life? Moi, j'ai toute ma vie. Ah, c'est normal, c'est moi le tank. J'attends, je pense, un petit car life pour claquer la popo. Mec, faut pas que je m'arrête de bouger, c'est l'horreur. Claquer la popo maintenant. Ah, c'est l'horreur. Manger. Je vais rester avec toi, je crois, parce que je peux pas courir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il touche parce qu'il prend des levels. Mon dieu, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, c'est un massacre. C'est un carnage. Elle est mid life. Moi, j'ai pris ma popo, je suis full life. Elle sait plus moi qu'elle en a gros, je crois. Bah, super, moi tout va bien. Parfait. Alors attends, je vais lui remettre des points. Elle est 413. Ok, le rhino t'as pas 900 et quelques pourcents de dégâts. C'est assez conséquent. C'est assez colère. Oh, putain. Oh putain. Mais que s'est-il passé? Ok, 9 levels. Il se roule par terre, c'est trop neuf. En plein combat. Il est trop content le truc, il est là, il kiffe. Il est là, oui. Il se roule par terre, genre, ouais. Oui, la bagarre. Oh
Oh là là. Bon, je pensais pas que ce serait aussi long, putain. Ah bah c'est... Ah, attends. Je vais tenter une petite charge. T'arrives à bouger? J'ai plus, mais je peux plus là. Moi, il peut pas bouiller là. Ah si, je peux. Ah non, la chance. Je peux plus. Attends, je vais essayer de te casser ce qu'il y a. Ah, y'a rien derrière toi en plus. Il nous reste 11 minutes pour la faire, hein, parce qu'on a un timer quand même. Ouais, ça va. Ça devrait le faire. Ok, je peux bouger. Moi, il me fait rien. Okay, allez, attention. On met des grands coups là. Oh, je charge. Boum. Oh, 340, t'as tapé? Ouais, c'est possible, ouais. Attention. Ah oui, je crois que tu lui as mis une grosse gifle. Oui, oui, oui. Allez, vas-y. On va refaire un petit tour. Vas-y. Merde, ah, je l'ai pas de taper. Bim, 213k. Le joueur français, 213k. La puissance. La puissance. Maintiens ton... Ouais, tu maintiens ton shift appuyé. Ouais. Oui. La même. Ouh, on lui met des gros dégâts là. C'est fini. Oh putain. Allez, voilà. Les Tekken Grimm qui sont unlocked. Ils sont les... Merde, dégage. Alors, toi. Les éléments. Bien, y a... Normalement, les éléments, on les a sur nous dans un dino, je pense. Pourquoi on est coincé? On est en L, c'est ça? Ok, attends, j'ai rien. Dans le dino, il y a quoi? Des éléments. Je pense qu'on a un truc genre une minute, c'est sur elle. Secondes. Non, 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 il y a rien sur elle, je pense. Attends, il y a des trucs. Raneo. Faut qu'on retourne sur le socle, gros. Et aussi, ah ouais, il faut... ouais, je pense. Ok, vas-y, go sur le socle. Il faut, par mesure de sécurité, mettre les notre stuff dans les dinos. Ouais. Ok. Parce que... par contre, j'ai pas d'éléments. Hein. Je pense qu'ils doivent être dans un des rhinos, je pense, mec. Je vais taper LM. Ouais, c'est bon, je les ai, c'est moi qui les ai. 10, 20, 30, 40, il y en a une 80aine. Oh, super. Ça. Du coup, attends. Et l'armure. Hop. Voilà, nickel. Parfait, bien joué. Ah, oh. Bah parfait, on meurt pas en plus. Super. Très bien. Eh bien, GG, gros. GG à toi. Bien joué. Du coup maintenant on va se faire une petite session où on va les enchaîner. Ouais, en effet. Et puis ensuite quand on considère qu'on aura assez d'éléments, bah on pourra passer à la construction de la base sous-marine. Exactement. T'avoue que je suis assez... c'est cool, sympa oui. à faire je trouve. Et moi ça me tarde, j'ai envie de te dire même. Alors d'avoir du coup, cette petite base. Oui, moi aussi, effectivement. Pour juste te faire un topo donc sur les éléments, on oui. en a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 74. Voilà, tu peux regarder comme ça au moins tu peux voir. Ah ouais, aussi. Ok, nice. En plus, on a une jolie petite pioche et tout. Ça, c'est mon Steph. Ah j'ai dit, c'est la tienne, putain. Oh, j'ai une jolie petite pioche. Ok, bah c'est nice. Eh bah écoute, ouais. Petite ellipse, du coup, nous voilà. on va farmer tout ça. Yes, ça y est. Allez, à de suite. À toutes les amis. Et du coup, on se retrouve, on est sur notre petit arbre. Yes, aïe. Je peux l'éteindre, le truc, là? Oui, tu peux l'éteindre, ça y est. Notre tech réplicator que l'on a crafté. Bon, on a pas mal farm de notre côté. On a bien avancé. Enfin, bien avancé. Au niveau du tech, on va dire. Regardez, il y a notre trilobite. J'ai oublié de la montrer, la trilobite. Tu l'avais montré, oui. toi? Je crois pas. Peut-être, je sais plus. Mais c'est tellement inutile, quoi. Mais oh, en tu, même temps, tu descends, toi pas. Ah ouais, j'ai pas peur. Hein. Allez, je descends. Hop là, dans l'eau, même. On peut plonger, j'avoue. Dans l'eau. Oh. Putain, regarde, elle vole. La déesse Trilobit. Ce qui est dommage, c'est que quand tu montes dessus, Ah tiens, bah, monte dessus. Tu peux, tu arrives? Non, là, j'ai vais éviter. Elle est bien, là, où elle est. Ouais, ouais, t'as raison. C'est la galère, sinon. là, je t'ai fait des trucs ouais. pour aller nager dans le fabricator. Ah oui, c'est vrai, j'y vais. Je crois que j'ai tout, moi, d'ailleurs. Vérifier. Ouais. Ouais, ouais parce ouais, que ouais. là, du coup, it's time to go poser la babase, quoi. Exact. On va aller poser la base sous-marine, les gars. Ouais. On a commencé à crafter quelques petits trucs. On sait pas trop encore ce que ça donne, du coup on verra bien. On complètement. Je suis prêt. Ok, et eh bien écoute. Faut aller au tech réplicator récupérer les bails. Ah merde. Oui, je sais. T'es déjà parti, moi. Ok, bon. Je fais un petit ellipse, moi, et je te rejoins. Est-ce que tu es prêt? Ah, on va faire un gros saut jusqu'à la mer. Okay. Ah oui, on va courir. Avec. Enfant de l'air. C'est ready. Shift H. Oui. C'est parti. Ah, j'ai pas pu sauter. Non, ah, c'est bon, je suis bien. Oh, moi je vole bien là. Oh putain. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, un Prime Rex. Ah, il y a un Prime Rex dans l'eau. MDR. Level 480. Oh. Peut-être plus tard du coup. Ouais. Ah, mais t'es en parachute. Oh, le chien. On s'arrête là ouais. J'avoue, je suis un con, j'aurais dû prendre le parachute. Mais gros, on va se rebouffer, non? Je sais pas, et toi? On l'a fait au plus profond. T'es où? Attends, je suis encore hyper loin. Je suis un débile. Je vais prendre mes palmes. C'est parti. J'ai mis mes palmes moi, oui.
Ah, je te vois. T'as dû mettre des T'as un points poisson sur ta gueule. Oh là, qu'est-ce que tu veux, toi? On va aller bien profond, mec. Ouais. Le shift H fonctionne. Je te vois. Enable. Pas l'impression que le airspeed sous l'eau fonctionne vraiment. Hein. Ah ouais, non, il fonctionne pas du tout. Attends, faut pas qu'on se perde de vue. Ah ouais, t'es là. Juste devant toi. Ah oui. Oh là-bas, t'as un petit coin de farming de perles et tout. Fort sympathique, y a de l'angleur. Eh, ça a l'air pas mal ici. Hein. Ouais. On est pas très loin, c'est assez cool. Par contre, faut faire gaffe, on va aller assez bas, je pense, parce qu'il y a de l'angleur en quantité industrielle. Oula, oui. Relou. Attends, en même temps, après, ça une fois pose, qu'on a coup, posé le shield, si l'angleur il rentre dedans, il meurt normalement. Hein. Ah, y'a moyen. Mais ça se pose au sol? Non. Les fondas, oui, bah oui. Attends. On peut faire un truc qui part du côté, genre et. Et avec soit un une peu en ouverture hauteur? en dessous? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Je cherche, mais. Ça marche pas là. Oh là, oh là là, oh là là, les anglais ça donne droit sur nous. Putain, ok. On bouge. Houston, we have a problem. Yeah, I know. Some problem, bro. Run. Run. On va se casser vers là. Sinon, on va en faire un qui part du sol, qui, tu sais, qui prend de la hauteur et les autres un petit peu décalés. Ouais. On teste. Parce que sinon, je vois pas très bien en quoi peut servir le truc avec l'ouverture en dessous. Bah ouais. C'est fait pour être comme ça, je pense, de toute façon. Oh, ici, ça... oh, ici c'est pas mal, il y a un bateau en plus, viens. Bateau. Sur la droite, un peu plus profond. Ouais. Ouais, on va faire ici, je pense. Je vais poser un truc au sol déjà. Bah, qu'est-ce que c'est, un vaisseau spatial. Regarde-moi ça. Aïe. Là, on va le faire monter comme ça. T'es sérieux, toi? Ah, comme ça. Il est vénère, lui. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais il m'a fait peur, lui. Attends, j'ai des trucs pour me défendre dans l'eau. D'accord, ah mais si tu peux les faire monter comme ça, effectivement, j'arrive, t'inquiète. Ouais, GG. Ça change tout, quoi. Nique-le. Ah mais j'ai peur de te... Si je te mets un coup, je pense que je t'endors direct, quoi. Ok, vas-y, je recule. Attaque-le. En tout cas, j'ai posé des trucs, là. Attends, oh, c'est bizarre. Unpowered, ouais, super. En plus, il non, faut sérieusement, il va falloir de la... Oh là là. On peut passer à travers. L'homme. Ouais. Alors du coup, admettons, on essaye de faire une structure, genre une cage. Attends, enfin, tu vois ce que je veux dire? Bon, on peut essayer de faire déjà un truc pour nous, tu vois. Non, mais une cage, ce que je veux dire par là, c'est un cube quoi, avec du vide à l'intérieur, on fout le shield. Ah non. Non, je pense qu'on devrait faire juste, tu sais, un compartiment qui monte vers le haut et un truc en longueur, tu vois, plat. Alors, vas-y, regarde, pose. On va voir comment, jusqu'à où on peut poser. Mais tiens, j'en ai plus, donc c'est toi qui va continuer. D'accord. Tu vois, genre, tu fais un truc en gros comme ça. Mais l'ouverture par exemple, on là, j'en posais une. Là j'en pose une par exemple, ça c'est une ouverture. T'as mis quoi, une ouverture? Ah oui. Ouais, et on peut passer par là. Est-ce qu'il y aurait pas des trucs genre Unpowered? Oh mais merde, Unlock. Lock. Mais pourquoi on passe à travers? Mais je pense qu'il faut un truc pour les démarrer, on n'a pas dû le faire. Ah c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait un espèce de générateur ou quoi. Mais mec, en tout t'as cas pris je le pense... shield ou pas? J'ai le shield mais ça sert à rien de le poser je pense pour l'instant. Ah. Oui, parce qu'il n'y a pas le générateur pour le faire fonctionner. Bon, tu peux continuer de poser les autres autour de l'ouverture, je pense. Voilà, pose-en plein, on va en faire de toute façon. Voir un peu la gueule que ça et on s'en occupera après. Là, va falloir retourner à la base, gros, donc ça va partir sur une ellipse, c'est certain. Oui. Pour aller faire le générateur, je pense. Et t'as un piranha qui t'arrive sur la gueule. Même les post-ca, ils passent à travers, quoi. Ouais, non, mais là, c'est. J'ai déjà vu différemment. Mais je me suis pas du tout renseigné sur le délire du coup. Moi non plus, mais j'aime bien découvrir de toute façon quand ouais, je fais pareil. Le truc, j'aime exactement. Pas me spoil comment ça marche et tout. Et je suis comme toi. Mais ouais, je préfère le faire par moi-même, c'est beaucoup plus intéressant de chercher et de trouver que... C'est vrai. D'attendre la réponse. Prenez-en de la graine. Ceux qui gueulent à chaque fois, qui donnent des conseils tout le temps. Non, c'est plus drôle d'apprendre par soi-même. Restez calme. Bah ouais, c'est partie de l'apprentissage des choses. Exactement. Bon mais du coup, je pense que ça va partir sur une ellipse là, il va falloir rentrer. Grave. On se dit à de suite. A tout de suite les amis. Ouais. Donc comme je te disais, il nous faut des fondations au niveau du sol pour poser le téléporteur ici. Mais je pensais on ferait une fonction comme des pylônes. Hein. On va faire une grosse zone. Et on fera des pylônes sur les côtés, non? Je pense que c'est pas pylônes sur les côtés. Ouais, genre tu sais, on va descendre les fondations, ça fera des pylônes sur les côtés. Alors, après il y a peut-être une autre solution sinon.
De quel type? Oui, mais non. Attends. Je sais pas si tu devrais continuer parce qu'on pourra pas poser le téléporteur en dessous là. Hein. Oh, t'inquiète, y a moyen, j'y crois. Y crois toi? Ouais. Ah, peut-être si, avec des ceilings. Attends. Non? Et il faudrait poser aussi le. Comment? Le générateur pour ouais, pouvoir le générateur. Les activer tous ces blocs parce que là ils sont. Oh putain, je suis un mongol, je l'ai oublié. Ils sont transparents. Non, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui. Ah, tu l'as, ok. Yes! Et tu peux le poser où le générateur? Je vais regarder ça. À la limite, tu peux le poser genre là, tu vois. Là, c'est au sol. Donc dessous, on est d'accord. Hein. Moi, je le poserai à l'intérieur d'un cube. Mais tu peux poser des trucs dans les cubes? Je comprends ah oui, pas oui, comment oui. Ça fonctionne. Ah oui, non, mais tu vas voir, ça ne sera plus, tu pourras plus passer à travers après. D'accord. Mais ça, faut je me doute, mais. Pose-le dans un cube, je pense, donc genre là où je suis là. C'est ouais, non, celui-là. Le problème, c'est qu'il se pose sous le cube. Et vu que c'est un truc genre, avec au un sol radius, ouais, est-ce qu'il faudrait pas le mettre en plein milieu, justement? Ouais, mais on peut pas les poser sur les cubes, il aurait fallu le poser. Non, vas-y, mets-le là, là, c'est pas grave. Je peux le poser là, hein, en plein je milieu. Pense... Je sais pas si c'est une bonne idée de le poser dans l'eau comme ça, mais. Ah ouais? Au pire, vas-y, hein, Balek. Pas allez, vas-y, pose. C'est un radius. Ah merde, t'as des éléments? Ouais. Et on va augmenter le radius. Et regarde. Lol. Et voilà, qu'est-ce que je te disais. Et là, du coup, on peut rentrer par les entrées. Ah, mais c'est ultra stylé. Ah, ouais, par contre, attends. Comment on va faire? Oula. Non, mais d'accord, ça okay. Fonctionne comme ça. Et là? Ah, et là on peut ouvrir. D'accord. Voilà. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Pour moi, c'était en dessous de nous en fait que ça allait être habitable. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, ouais, non, moi je savais que c'était dans les cubes. D'accord. Ah ouais, c'est stylé. C'est vraiment pas mal. Et là on peut ouvrir, tu vois, genre toutes les zones comme ça. Et on se fait un petit endroit à nous où on pourra poser le téléporteur du coup. Mais oui, du coup, oui. Oh, il y a une algue là. Non, je vais enlever mes palmes là. Oh mec, on a une algue dans la maison, trop stylé. Mec, mais on peut respirer du coup là. Ouais. Enlever mes bails. Il est. Ouais, là on est chez nous, gros. Trop bien, mec. On va enlever tout ça là. Ah, mais c'est super stylé. J'ai l'impression de jouer. T'as joué avec Subnautica? Un petit peu, ouais. J'ai l'impression de presque d'y jouer, quoi. C'est un peu le même délire, ouais, j'avoue. Par contre, j'ai enlevé ma bouteille aussi, ça sert à rien. On fait une grande pièce, on fera des. Ouais, on fera une grande pièce, je pense. Des murs après, si on veut. On fera des compartiments plus tard, ouais. Ouais. J'ai failli me casser la gueule. Ah oui, il y a une ouverture là. Ah, mais c'est beaucoup trop stylé, hein. C'est vraiment cool. Du coup, ça c'est quoi? Freeze. Oula. Ah oui, ok. Non, c'est. Je sais pas quoi ça sert, mais ça fait peur. Ok, bon, il y a tout ça enlevé. Super stylé. Attends, on a posé des blocs, hein. Ouais. J'en ai merde. Encore, moi, 16. T'en as 16 encore? Ah ouais. Ouais, on va pouvoir faire un truc cool. On va se faire un truc cool, gros. Merde. T'as vu, ça fait un petit bruit comme si on marchait sur l'eau. Ouais. Est-ce qu'on peut freeze ceux du bas? Ah ouais, genre. Ah ok. Ah ouais, je pense qu'on va faire ça. On va les freeze. Et sur les petites freeze, on pourra poser. Je sais pas, c'est écrit freeze bottom. Truc, c'est une option. Parce que j'ai l'impression que sur les trucs comme ça, tu sais, on peut peut-être pas poser les objets. Ça doit servir à ça. What Oula. The fuck, what qu'est-ce que j'ai fait? Passé quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Il s'est passé quoi? Gros, j'ai fait une boulette. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait maintenir pour ouvrir le sas. Ah non, t'as. Ah merde. Non, putain. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as enlevé un bloc, j'ai l'impression. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait, putain? Ah non. Non, y a pas de bloc. Non, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, mec. Non! À l'attaque! Bloqué pour ouvrir ah la face! Oh putain, c'est là! Ah non, merde! T'as fait le con! Ah mais merde, je me noie! Fouah. Ah c'est bon! Ah j'ai réparé! Attends, qu'est-ce qu'il nous a fait? Hold to open back! Et si on fait freeze? Bah, freeze ça attends, bloque. Attends, mais là y'a de l'eau là-dedans, on peut ouvrir là! Ah non! What the non, fuck? Non, oh putain! Attends, je sais ce qu'il c'est faut celui faire. C'est celui du bas, non? Celui du bas? Verrouiller, détruire. Si je passe par en dessous. Débloqué. Ouais, c'est bon. T'as réussi? Yep. Ok, nice. Bon, faut que je retrouve la sortie, c'est là. Hop là. Donc ça veut dire que tu peux faire en fait des zones
compartimenté avec de l'eau à l'intérieur. Pour mettre des poissons, mec. Voilà, donc pour notre prochaine vidéo, je sais pas si on le fait dans la prochaine ou pas, mais on va le faire, du coup on peut spoil un peu, je pense. Ah, c'est sûr. Mais on va faire une cuve où on mettra les têtards des grenouilles, par exemple. Oh ouais. Et on va foutre ça là-dedans, et on va les regarder grandir dedans. Ça va être génial. On pourra faire des aquariums et tout, ça va être génial. Ça va être juste absolument fantastique, quoi. Ça, on peut la fermer, ça, on va la fermer. Oh ouais, ça va être trop stylé. Ça, on va la fermer. On peut se faire un aquarium genre là-bas. Est-ce qu'on peut poser déjà le téléporteur, mec? Oui, je vais essayer. Je vais. Ah, j'ai le bouclier aussi à poser. Ah, si, on peut poser là-bas, n'importe où. Ok. Je vais te fermer là en dessous de nous avec les derniers blocs qui me restent. Alors, ou du moins, essayer de protéger les générateurs. Le radius. On va le mettre à 5. Et voilà. Je crois qu'on a le bouclier. Et il va se déclencher dans 5 minutes. Non, quel con. En 5 minutes? Ouais, ça met des 5 minutes à se déclencher, je crois, le bouclier. Ah non, faut pas que je fasse ça. Fast freeze. Des blocs, non, j'ai tout utilisé moi. Okay. Là, c'était que les tiens. Bon, bah, il faudra qu'on en refasse, je pense, à l'occasion. Ah ouais, t'as fait. Ah oui! Oh, ça va être cool. Ouais, j'essaye d'entourer le générateur du coup. Ouais, après, ça va être ici, on pourra se faire une. Ou alors, il y en a une là, on peut jouer avec celle-là peut-être. Faire un accès pour aller justement voir le générateur et lui remettre de l'énergie, tu sais. Ah ouais. Ouais, j'avoue. Et on peut même après, de toute façon, faire des pièces aussi en bas qui seront tout autour du générateur. Parce que ça fait des compartiments à vivre en dessous là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, t'as raison mec, ça va être trop bien. Il y a tellement de possibilités avec ça. Ouais, c'est tellement stylé en vrai, putain, je pensais pas que ça serait aussi poussé quoi. Enfin, pas mais en fait, c'est tellement chiant à faire, mais bon, c'est oui, quand même super stylé quoi. Ouais. Bon, mais du coup, moi je crois qu'on va se quitter là. Ouais, alors attends. Non, oui, on a un dernier truc à tester. Qu'est-ce qui reste? Dis-moi. Le téléporteur. Le téléporteur, putain, ça on me fait reposer. À la maison. My bad, excusez-moi. Le fous dans un angle. C'est gros. Ouais, vas-y, cale-le dans l'angle là-bas. Au loin. Droit devant moi là. Vas-y, je te fais confiance. Non, y'a pas une sortie là. Non, ici y'a zéro sortie. Y'a pas de sortie ici, ouais. Au pire, on peut faire un étage en dessous après. Hein. Putain, c'est trop stylé. Ouais, ouais, non, mais grave, mec, on va faire plein de trucs. On va devenir fou là-dedans. Ah, y'a un obstacle. Ah oui, c'est la porte là-bas. Ah, j'ai du mal à voir ce que je fais. Waouh, waouh, putain. Ouais, pas mal. Bon, ah, ça prend énormément de place. Hein. Téléport. Ah, 10 element shards. T'en as? Ouais, j'en ai. Okay, nice. Tu veux bien tester? Ouais, là, on peut aller à téléporteur tech sur notre arbre. Tu es prêt? Tech. Oui, je suis là. C'est parti. Oh, oh, c'est instant. Ah, oh, c'est Star Trek. Oh, quoi. Trop bien, mec. C'est trop bien. C'est la folie. Ah, oh, c'est juste génial. Bon, bah, c'est parfait. Allez. C'est parfait. Bah, du coup, on peut. Clore cette bonne vidéo. On l'a fait ensemble. Ah oui, on l'a fait ensemble, ouais, avec grand plaisir. On va pas nous taxer de voler les outros des uns des autres comme ça au moins. Voilà, exactement. Hein, ah tiens, je vais me baisser, on va se mettre comme ça. Ouais. C'est incroyable. Best, toi, pour les outros. Ouais, j'aime bien. Tu sais, tu mets la caméra en bas, ça fait un peu contre-plongée. Voilà, c'est stylé. Nice. Bon, mais du coup, les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Pareil. C'était The Ben Big Emutsu. Yeah. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Les pouces. Un petit on se dit à très vite. Un petit partage de vidéo sur les réseaux sociaux, c'est bien ça. Ouais, grave, et Twitter. À vos copains en classe, non, et à Twitter. Tout le monde, la vos parents. Et allez, et dans la rue, criez nos noms. Ah je oui. Sais pas. Ah oui. Non, faites pas ça. Non. Allez, on dit à très vite. Ciao.